بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين، وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre « La nourriture » de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith 178, Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi, rapporté « Haddathana al-Husayn ibn Muhammad al-Basri, Haddathana al-Fudail ibn Sulayman, Haddathana Fa'id, Mawla Ubaidillah ibn Ali ibn Abi Rafi', Mawla Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. » Mawla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire un esclave affranchi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc un parmi les sahaba radiyallahu anhum. قال لي rapporté حدثني عبيد الله ابن علي عن جدته سلمى. Alors il rapporté que عبيد الله ابن علي il rapporte depuis son daddy سلمى. Alors سلمى qui celle-là, c'est une sahabiya radiyallahu anha, c'est madame de ibn Abi Rafi'a. Ici dans khidmat de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire l'équipe Edli et surtout l'équipe prépare manger pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En parmi ban khadima. Par exemple, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce garçon Ibrahim, tu n'es les mêmes qui t'y daïa. Daïa veut dire kabila, ça veut dire les mêmes qui t'y femme sage, midwife. Alors, c'est lui qui appelle Salma, radiyallahu anha. Donc, ça événement-là qui est arrivé un petit peu après. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il rapporté Anna al-Hassana ibn Ali, Wabn Abbas, Wabn Ja'far. Qui, trois garçons. Al-Hassan ibn Ali, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Ja'far. Qui sont là, c'est parmi les grands sahaba, radiyallahu anhu. Al-Hassan ibn Ali, nous connaissons, c'est Imam Hassan, radiyallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce petit-enfant. Et l'autre riwayat qui mentionne Al-Hussein ibn Ali. Donc, Sayyidina Imam Hussein, radiyallahu anhu. Donc, un autre sa des frères-là, radiyallahu anhuma. Avec Abdullah ibn Abbas, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son cousin, plus grand mufassir après Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Ja'far. Ja'far, qui sont là, c'est cousin de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, ce garçon, Sayyidina Ali, son frère, radiyallahu anhuma. Donc, lui, ce garçon, appelle Abdullah. Et dans sa génération-là, vous trouvez qu'il y en a beaucoup, ce qu'on appelle Zénès, qui appelle Abdullah. Il y en a Abdullah ibn Ja'far, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Rawah. Donc, appelle les autres ben, Abadila, Abdullah au pluriel. Et ces ben, jeunes, comme on nous dit dans nos langages, ben, Zénès, c'est à l'époque-là, que tu peux apprendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui après fin de vie, ben, ulama, ben, grand sahaba, et à travers eux, l'islam fin propagé. Donc là, ça va nous aider cela. Donc, quand j'étais grandi, après l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, là, j'ai une envie de gagner un petit peu, comment dire, ben, l'habitude, qu'on plus le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, j'ai dit Salma. Salma, comment on dit, c'est madame qui est dans le service Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qui est et puis se manger. Alors, atawha faqalu laha, jutnal getli, jutnal jeli, isna'i lana ta'aman, mimma kana yu'ajibu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, wa yuhsinu akla. Prépare une qualité manger pour nous, qui rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui compte manger. Et yuhsinu akla, les types manger bien, ça veut dire, les types faire ihsan de se manger. Et tellement les types content manger ça, qui nous traduisons comme ça, l'équipe mange avec l'appétit et avec tout l'ihsan qui est là. Quand on dit content de manger, il fait ihsan envers sa manger là. Hein? Il est content, il montre qu'il est content de manger là. Quand vous êtes mange ça aussi, vous dites ben ça, il est bien content de manger ça. Donc, dans sa façon là, une qualité de manger qui est Rasoul, ça, c'est un petit content de manger, tu peux faire ihsan, tu peux manger avec l'appétit. Donc là, ça montre nous muhabbat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour son habitude, pour tout quelque chose qui est attiré avec lui. Même dans quelque chose qu'il est content de manger, façon qu'il est content de manger, al get dimon qui est connu, qui est spécialement préparé pour manger, al diman sa dimon là,
pour gagner un tigin depuis ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a quitté, ne serait-ce que sur l'habitude, et pour, comment dire, gagner un quelque chose pour accrocher, un quelque chose à travers ça, quelque chose là, pour un ta'alluq avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'exemple, c'est le comportement, ben, عاشق جمون كي كونتان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الو فقالت سلمى ريبونزت يا بني او موغاسون. دونك بني سي ان نابيل لي ان جيمينيتيف دو بني نو نان مو نو سونس سو فاصون برونونس لي ان فاصون كوت نو فيلي بين تي بتي باغ اكزومبل عامر بن عمير حامد بن حميد اسد ليون اسيد تبتي ليون دونك فالي فين تبتي الو بني ابن فين بني بني بيجي موتي غاسون الو سا سي تان فاصون افكتيف بو ابل بان زانفون يا بني دونك قران نونا سا بوكو نونا بان ليكزامبل كوم سا بوكو دونك لي بي ادريس لي مدام لا دونك كي ياجي لي بي ادريس لي ا سا بان جينيس لا يا بني او موتي غاسون دونك لا نو بيجا بون ليو بلوريال لي بي ادريس لي ا تو لي تروا لا تشتهيه اليوم سا مونجي لا c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit content manger là aujourd'hui t'es pas pour content lui toi qui fait dire ça parce que l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'on va nous trouver t'es dans difficulté t'es dans manque manger pas si facile qu'on va gagner à cette heure alors c'est que les types gagner les types manger les types content manger avec l'appétit aujourd'hui ça même manger là moi pour donner aux autres t'es pas pour content parce qu'ils étaient habitués manger ben les autres qualités manger qui plus extraordinaire donc ça madame là les autres là t'achetahihi اليوم ازودي جو بابو كونتون سا كاليتي مانجي لا مي بان لا زوتين فين لا افيك با جو بان فين لا كوز مانجي جو بان فين لا بو فين كوما دير ا كوز سافير نو زوتين فين لا ا كوز كيك شوز رسول صلى الله عليه وسلم تي كونتون مانجي الو با كيسيون بو زوت سي با جو بابو كونتون نو كان رسول صلى الله عليه وسلم ان كونتون كيك شوز زوت جو بو كونتون لي ميم بان سيركونستانس فين سانجي الو قال بلا اسنعيه لنا بلا ان بومي شابان غوسون كي تبي بوزيك سا مدام لا جالي نو كوي لي بو نو سا فيجي لي انسيستي با فاي نو ريان بلا ان ديفيرون فاصون نو كا ترادوي لي ديبوندون كونتيكس ايشي نو بو جالي با فاي نو ريان كوي لي بو نو قال الو لي رابورتي فقامت الو سلمى رضي الله عنها في جيبوتي فاخذت شيئا من شعير لي فين برون انتيجين شعير شعير كي فيجي فيجي لوج Hein, comment nous les a trouvés. Alors, l'auge, là, nous trouvons qu'un des quelque chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam se content manger, c'est l'auge. C'est même qu'il appelle baalé. Donc, les bons aussi, nous ici, à cette là, nous gagnons l'habitude de manger l'auge. Malheureusement, il n'est pas dans nous l'habitude. Là-bas, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux manger ça comme un staple food. Nous, nous avons du riz, nous avons du blé. C'est même qu'il nous fait la farine, le vin, du pain, le vin, rôti. Ce qui plie près avec ça, nous trouvons, nous avons oatmeal. C'est une préparation un petit peu pareille. Hein? L'auge aussi pareil. Nous connons la grain l'auge, quand il y a encore entier. Hein? Mais c'est moi, nous servons juste comme un artisan. Nous mélangeons avec la grain de lin. Le lin nous bouille, nous boit pour rafraîchir comme un manger mondial. Nous connons juste comme ça. Mais les bons, peut-être nous faisons un petit effort, nous connons un petit peu comme un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous connons. Nous mangeons comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il mange. Il n'est pas trop accessible aujourd'hui parce que dans nous l'habitude, nous prenons les juste comme la tisane. Donc, vendre aussi juste comme la tisane. Ou pas le road lit, c'est pas dans le supermarché. Ou plutôt, vendre si ça c'est. Parce qu'il fait un petit guide même pour bouillir, pour boire. Je ne connais pas si c'est pas gagné en grande quantité, je pense bien. Donc, sinon, c'est lit. Donc, il pour préparation pour pareil. Hein, il y a quelque chose qui, dans ce goût, est neutre. Alors, nous bouillons dans de l'eau, pareil comme nous bouillons du riz, pareil comme nous bouillons haute mille. Donc ça aussi pareil, nous bouillons dans de l'eau, jusqu'à l'évin mou, capable d'avoir du sel, ou soit du sucre, ou soit ben, les autres affaires encore là-dedans. Option là ouverte, ça veut dire capable de préparer dans n'importe quelle façon, pareil comme nous préparons du riz, ou soit haute mille. Il y a pas mal de recettes online, nous avons gagné, pas mal de recettes qui ont l'ose là-dedans. Nous sommes capables d'essayer, Inch'Allah. À cause de sunnat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça mange là? Radiyallahu anhum, là, je peux content manger ça là. Alors, nous ici, nous essayons de préparer une affaire qui nous content manger. Alors, il y a beaucoup de bienfaits là dans l'auge. Il y a beaucoup de bienfaits, par exemple, les remplir avec protéines, avec fibres. Un dimoun qui mange ça, sur l'estomac rempli, il sentit les foules. Hein? Quand un dimoun mange ça,
sur l'estomac plein et sur l'estomac reste plein pendant un peu de temps. Donc, il n'y a pas pour le grignot dans les autres affaires. Donc, il aide du monde là pour ne pas manger trop beaucoup. Socialement, il est bon. Parce que quand du monde il mange ça, il n'y a pas besoin de manger beaucoup. Et les caves aident lui dans les autres façons aussi. Par exemple, un du monde qui a envie de contrôler son poids. Donc, il gagne quelque chose qui peine beaucoup gras, c'est pas pour faire, pour faire les gros, grossir. Mais en même temps, il remplit son ventre qui n'y a pas pour besoin de manger encore après. Il y a beaucoup de fibres là-dedans. Donc, les aides digestion avec ben les autres quelque chose là-dedans, c'est un ben scientifique disons qui les aide pour empêcher la pierre. C'est un quelque chose qui est bon pour cholestérol, les diminuer cholestérol donc pour ben patient cardiaque les bon. Il y a beaucoup de magnésium là-dedans donc les aide pour contrôle taux glycémique donc pour ben diabétique ou ça ben qui peut contrôler pour pas gagner diabète. Les versatile hein, ça veut dire c'est une qualité manger qui Cave prépare lui dans beaucoup de façons. Cave servit lui comme un staple food, comme on nous servit du riz comme ça, la farine. Ou capable de faire gâteau avec lui, ou capable de faire bande dessert avec lui, ou capable de faire petit déjeuner avec lui. Donc, et il est facile pour préparer. On n'a que mettre dans de l'eau bouillie. Donc, Salma, radiyallahu anha, en Djibouté, il prend un tigine loge. Fatahanat, et il crase lui. Donc là, il a la meule, comme on nous dit. Il crase lui, donc il fait la grain là, il vient un tigine. Enfin, nous pouvons imaginer qu'il y a une vie comme un haute mille comme ça. Bien souvent, nous crasons des affaires pour qu'il y ait plus facile pour qu'il ne prenne pas beaucoup de temps pour qu'il. Thumma ja'alathu fi qidr. Là, il prend ça, ce qui est crasé là, il met dans un bol. Wa sabbat alayhi shay'an min zayt. Et il arrose l'eau là, un tigin zayt. Zayt, comme on apprend, c'est de l'huile d'olive. Voilà, là, rempli avec la santé. Hein, c'est un très bon manger pour la santé. Donc là, nous trouvons qu'il a ce goût encore neutre, sauf qu'il en ajoute ça, de l'huile d'olive là, là-dedans, qu'il en ajoute un autre goût. Wa daqqatil fulfula wa tawabil. Léla, le fin arrose l'eau là. Al fulful. Fulful veut dire piment. Quand nous disons piment ici, nous pensons ce qu'il faut là. Mais fulful, les capaves impliquent piment, les capaves impliquent du poivre, poivron, tout ben, quelque chose qui est dans la famille piment. Donc il ajoute un côté faux, un côté goûté. Dans sa quelque chose là. Wattawabil, attawabil, c'est des épices. Donc, différentes épices, nous sommes capables d'ajouter là-dedans. Donc, ce qu'ils mettent là-dedans, ils font mettre l'ose là lui-même. Donc, nécessairement, ils cuisent dans de l'eau, ils font craser lui, ou soit ils font craser avant ou soit après. Ils font mettre de la rose, de l'huile d'olive là-dedans et ils font ajouter des épices avec piment là-dedans. C'est ça qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si content manger parmi la nourriture. فقربته اليهم لالا سلمى رضي الله عنها في كوستيليكو زوت في بريزونت سا ديفون زوت بو زوت مانجي فقالت الانجيا هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن اكله دونك سا سي بومي مان كيك شوز كي رسول الله صلى الله عليه وسلم سي كونتون اي كان لي تي بي مانجي لي تي بي مانجي بيان افيك لابيتي ان كيك شوز كي سان ان بويلوز ان كرازلي شان كرازلي ان بويلي Il arrose de l'huile d'olive l'eau là, il met piment, il met les épices, on mélange les au manger. Là, bonne leçon qui ban ulama souligné. Je te montre nous qui est dans sa manger là lui-même, il y a une manger qui pure, qui propre et nous trouver. Ce qui m'ont dit où t'allais là, c'est ban la science qui dit ça, ban bienfait quelques-uns de ban bienfait de l'ose qui en a beaucoup beaucoup bienfait là-dedans. Et là, de l'huile d'olive lui-même qui mubarak comme Allah dit dans le Coran, shajarati mubarak, zaytouna. Les olives, les Moubarak, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, recommande nous, consomme-les, passe-les aux autres lécos. Après, il y a quelque chose là-dedans pour agrémenter. Donc là, nous trouvons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, est content, il a fait ça. Comme madame là, tu peux dire, ben là, je ne suis pas pour content. Qui faire? Parce qu'avant, tu peux faire avec ce qu'il y a. Un petit moyen, ce qu'il y a dans la case, ajoute-les, agrémente-les, fais-les vivre bon pour manger. Ça, c'est principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc un musulman qui a envie de suivre principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas difficile de manger. Il y a du monde comme ça, il fait exigeant. Avec sa propre famille, avec sa madame, son bandit monde dans la case, il est exigeant de manger. Il n'est pas content ça, il n'est pas content ça. Quand son manger préparé, il est bien comme ça, comme ça. Finalement, du monde qui prépare ça, il y a une difficulté. Ici, là, nous trouvons un djimoun qui est habitué, prépare Rasoul sallallahu alayhi wa sallam se manger. Il montre nous que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui tient dans la case, il prend, il ajoute. Facile, facile pour préparer. Donc, un musulman, il fait avec ce qui est là et il est content
mange ce qu'il y en a. Ce qui est là dans la case, ce qui Allah fin mette là, remercie Allah pour ça, trouve bon moyen pour agrémenter. Ça quelque chose qui peut-être nous ne trouve pas bon, on dit qu'on est capable de dire l'os, ah, qu'il y en a pour manger avec ça. Manger ça, et on dit qu'on peut raisonner comme ça. Rasoul sallam il montre nous, prends-le, mette quelque chose là-dedans, agrémente-le, fais-le une bonne manger. On trouvait l'autre fois là, il y a du pain sec, puis il y a pas du pain sec avec, il met de l'eau, du sel, après il met du vinaigre. Il prend ça, il mange ça avec l'appétit, il dit qui a été bon manger, bon carré ça. Ça, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, il montre nous. Et nous finissons trouver, yuhsinu akla, il finit manger bien avec l'appétit. Ça veut dire, jamais au coup tendé, si pas ayop, manger là pas trop bon aujourd'hui, manger là simple aujourd'hui, ça a été mangé là comme ça, il était non jamais. Les fins mangent les fins mangent les avec l'appétit. Donc, Inch'Allah, nous faisons droit. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, donne nous sa qualité, le cœur, sa qualité, l'estomac, sa qualité, mentalité, disposition là, qui nous content ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre devant nous comme un rizq. Nous comptons que pareil comme un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si content qu'il donne nous la connaissance qui est bizarre, qui nous donne nous possibilité, prépare-les bien, pour qui nous comptons-les, nous mangeons-les, et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Et nous demandons à Allah qu'il donne nous bénédiction dans nos manger. Qui, le fait que nous réussissons, pratique sunnat de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, possiblement, ben, achik, spécialement, là, je peux essayer à le faire, un zéfo, à le guetter, ou qui je t'ai préparé comme ça. Avec l'ose, peut-être ce qui est mentionné, si nous n'avons pas de détails qui est épicine mettez, mais nous sommes capables d'essayer, nous essayons ensemble, et pour faire pareil comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour faire pareil comme ça, un grand sahaba là, je t'ai essayé de connaître qui est content de manger, je t'ai allemand ça, je t'ai. Donc nous faisons droit qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous sassimina wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa barik wa sallim.